في وقت وندى الجف وحش الشيء يعود بفوت في وقت وندى الجف وحش الشيء بون ازوف لك يا رباح ازولا مسيح السيق قلع في الفورم دي لونغ تسوغ شحال ليديسيون شحال هي قلت ولا شحال اسبوع سنة شكرا بغنا عدل شي طوح 20 اسبوع سنة بالعكس لكن 20 اسبوع سنة نوال شوية ايه ثم ازغا اوك دبي كومبيان تون ثلاثة لاكا Alors, dans Mazra Ok, ce qui a des lits, c'est pour Ngingura, car Vahm, c'est pour Ngingura. Maintenant, le Sandagi. Berber, ouais. C'est pour Darth Imani ou Simanoukan, on va dire que c'est Mazra Ok. Ouais. Dans le stand à Guinée. L'anime de qualité est dans le vidéo. Il faut nous offrir un café de Sassy. Il faut nous offrir un café de Sassy. Il faut يوغال سولا تيماني وكان شفي غا مساكي فدير سيد لسني وكان يتساوى عقب خام سيغ خيرك ذي لسني كان يتساوى عقب خام تساوى خنيد يوغال سموارا شوية شوية يوغال لو ديد يتساوى ذي لسن سلسن تليد دافا نعت سكين دا ستونداجي إمير نسموها ورد لزي ديسيون مربير تونا د كرا ادريسن فما زغان باري تونا د ادريسن يوغال سمغار سنرنا ترنيكي تاخر سنت ما سنزمرس سمية كيني الساقي الولاد صوضا وندا نسبد دايني قرزن يعني قرزن ماشي كادي دينان كيربون دي عدن ساقي يا جفاس في ربون دي دنسيقي يبوكرا ويرنا اسكو سنقين قورا ثاني اخت مسالتو مزروي مسالتو مزروي نغاد نسفل امزروي امازيغان ماشي امزروي كان خاطر وما هيدا مزروي امازيغان سن الماسيني ساع سن اليوغورتان معنا ما سنيني أغوستين سانت أغوستان ناس نيني ينويد خلدون ينواغد أبولي ينواغد أطاس 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 مسنون توسن دي الدونيث معنا توسن نمكن دي غريقيا توسن نمكن دي رومانيا توسن نمكن دي فرانسيسا أسا نمغازن دي نيني ملي وقيد إمازيغان إمازيغان بوين دي طاس الدونيث مرة La grande scénité de Oulag Imazeran, Mokvayel, Sadin Segi, Aknazaran, Billy, Amzuruyensen, Amzuruyen El Kayen, Amzuruy, Swaysis Merna, Asfden El Kab, Akna, des Nambes Niam, Berjnas, Ramakat Walam, Tassa Tassa Mislani Glan, Yassini Glan, Dagini, des Forum Agini, Yanwe Vra, de Tram Canis, de Tram Dres, de Sfinilla. Je crois qu'on connaît la Mazert, il a pas son canoë dans cette guerre de Mislain de Donir, guerre de l'Isme de Donir. Le stand à Gish Berbit, c'est que Oudem Mamad est né dans le Christ Francis d'ouverture, mais aussi de démonstration, pas de démonstration au sens mais de montrer aux gens qu'on existe, hein, qu'on existe et qu'on n'existe pas seulement à travers le chant ou la musique, mais on existe aussi à travers la littérature, on existe aussi par rapport à tous les apports que nos anciens ont apportés à la pensée humaine tout simplement.
Et bien évidemment, quand on regarde le travail de Apulée, le premier roman de l'humanité, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a de quoi être fier. On aurait aimé que ce soit fait en berbère, mais bon, c'est une réalité. Quand on leur dit qu'un des plus grands musées de France qui est à Toulouse, il s'appelle les Augustins, et que les Augustins, ils prennent le nom de Saint-Augustin, ce savant qui a apporté, certes pour la théologie chrétienne, mais c'est aussi un philosophe qui a apporté pour l'Europe et pour l'humanité en général. Ouais. Voilà, donc tous ces courants-là, on n'est pas resté figé dans l'histoire, mais je pense qu'on a besoin de ces éléments-là pour dire qui on est et aussi où on va. Parce qu'on va dans une direction aujourd'hui, on doit s'affirmer, on doit dire qu'on est là. On est là pas seulement par la démonstration, par des slogans, mais on est là à travers des livres, à travers, quand je vois par exemple Le vieil homme à la mer, qui est un chef-d'œuvre d'Hemingway, on le voit aujourd'hui en Kabyle, c'est quelque chose. Quand je vois un roman qui est extraordinaire, Négoussinin de Boualem Rabia, c'est vrai qu'il est difficile d'accès aujourd'hui, mais c'est un condensé de savoir qui va nous permettre aujourd'hui, pour demain, d'avoir, bien évidemment, d'avoir à le développer. Quand je vois la littérature, moi je le prends au hasard, hein, je sélectionne pas, je montre tout. Donc je montre aussi bien ce qui est ce qui relève du domaine vraiment de l'écrit mazur, mais aussi tout ce qui s'écrit sur le berbère. Quand je vois par exemple ce jeune que j'ai rencontré à Tizi Ouzou et qui a adapté et qui a dessiné aussi les fables de La Fontaine, il y a du positif, il y a des initiatives, il y a des jeunes qui essayent de mettre leur intelligence, leur talent au service de cette culture, même quand ils sont dans un contexte difficile comme en Algérie. On entend beaucoup plus du négatif des jeunes, mais aussi il y a des jeunes qui travaillent, qui brillent par leur talent, et on est là pour les encourager. Femmes Raouk, c'est pas que le Forum des langues. Femmes Raouk, c'est une activité, il a une activité toute l'année. Hein. Alors Femmes Raouk, on a fait le choix de la durée, hein. On ne veut pas être spectaculaire pour un événement et s'éteindre toute l'année. On a une vision un peu différente. On veut travailler toute l'année, peut-être faire de petites choses, mais d'une manière régulière. Donc par exemple, on a privilégié de donner les cours, d'ouvrir nos cours à tout le monde. Pour sensibiliser les gens autour de la culture, de la langue, mais aussi aux gens de se perfectionner pour qu'ils puissent lire, pour qu'ils puissent étudier dans cette langue-là. Quand je vois il y a un chef-d'œuvre qui vient de sortir, qui est pour moi un événement littéraire à Malmsted, c'est dommage, les gens ne savent pas le lire, donc on essaye de leur donner des outils pour qu'ils puissent accéder à cette littérature-là. Donc c'est un double combat, il est un combat pour faire connaître la langue, mais aussi un outil d'accès à un certain savoir. À Malmsted, il n'existe pas en français, il n'existe pas en grec, il n'existe pas en italien. Il faut que les gens aussi s'intéressent au berbère pour qu'ils puissent avoir accès à son savoir. Voilà, on est aussi dans cette démarche-là. Donc enseignement, c'est pas enseignement pour enseignement. Enseignement pour faire découvrir la culture, pour aussi encourager les personnes à écrire et à lire dans cette langue. Mais aussi, moi je suis content, autour de ce stand, il y a beaucoup
de personnes, des apprenants hein, qui fréquentent les cours et qui s'investissent aujourd'hui pour à leur tour animer Alors, on s'est arrêté à 18h30. Il y a des cours donc hebdomadaires à la maison des associations Arnaud Bernard aux 3 rues Escoussière. Donc vendredi 18h30 et on est joignable par mail tamazra-oc@laposte.net. Le téléphone? Téléphone et la daronne, c'est 06 26 29 61 79. Tel mérite sans parade. Ayouz, à quoi on est de ma kagia. Et puis, Arthaïo. Tel mérite de mon œuvre, le médecin. Le médecin, je vais connaître la canadienne de la kagia. Le serment sera le. Adam Soral. مثل عرض ما ضد نوغال مضل عرض ما موقع قرمالا انا كنت سوا على المستوره اه غادي نوغال نوغال ليها شفت ما تسكب سكسوسي فاون الو لا سكسوسي فاون بالك هذا تيلي نغدي لا لي فروش هذا نبيتي تلمي تلم هذا هو Pas d'amour, ça zise. Yeah.